Et salut à tous, c'est Trunkan, on se retrouve à nouveau dans, eh bien, Batman Arkham Knight pour la Batman Arkham Saga. On va en profiter directement pour utiliser, voilà, télécharger le virus. Téléchargement du virus. Ah, parfait. Bonne chance. Merci. Je crée ma propre chance. Ah non, pas eux, c'est chiant. Aïe. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Dragon HS. Moi ça va. Drone HS. Raté. Ah, vous êtes nul. Rattleur touché. Batman a détruit un drone. Évidemment. Évidemment que j'ai détruit un drone, c'est mon métier. En bas HS. Ça va bien se passer. Tout se passe bien. C'est un peu encerclé, mais ça va. Un dragon détruit. Voilà. Occupe-toi un peu de tes copains. Ah, touché. Il en reste un, montre-toi. Eh bien. La charge de la bombe est exposée. Avec le treuil électrique, je peux déclencher une explosion contrôlée. Et c'est plutôt cool. Ah putain. Voilà, easy. Remarquable, monsieur, comme toujours. Je sais. Merci, Alfred. Ouais. Je sais. Alors, non mais... Je continue à désamorcer les explosifs de la milice. Il y en a un posé juste à côté du jardin botanique. C'est pas ça que je voulais faire. Non, je voulais pas. Est-ce qu'on a des infos sur Azrael, du coup? Je vais chercher le bat-symbole en feu d'Azrael et continuer à le tester. Non. Je pense que je ferai ça à la prochaine vidéo, les bat-symboles. Ah, par contre... On va aller s'occuper de ça. Hey, Bruce. J'ai fini par retrouver un des camions du pingouin. Il est près du canal sur Bleak Island. C'est parfait. Merci, Nightwing. Je vais m'approcher à pied et le suivre jusqu'au dépôt d'armes. Mais avant, je vais m'occuper d'eux. Voilà. Le dépôt d'armes, donc. Ah, l'adrénaline. Pardon. C'est bon, on les a eu. Batman a tout niqué. Ah, j'ai pas pris mes talents, tiens. Donc voilà, c'est la tenue Gotham Knight. C'est un peu moche. On va fermer là. Mais ce que je voulais prendre, c'est mes talents, en fait. Ça.
le super-héros landing, comme on dit. Ça s'est pété. Ça c'est quoi? Fausse combustion, ouais, c'est pas foufou. Ah oui, plus d'armure, c'est bien ça. Ouais, on va faire ça. À tout le monde. Petite musique. Des tanks, des drones, des armes lourdes, Batman est invincible. Je suis la nuit. Personne n'est. Qu'est-ce que c'est? Salut! Qui est là? Oh merde! Fonce! Fonce! C'est Batman! Oh non, c'est Batman! Il nous traque! Fonce! Et ça ne se met! J'essaye! Vas-y, accélère! Il gagne du terrain! Je gagne pas de terrain. Ah, vous ne pouvez pas vous cacher! Ce petit éclair qui était bien bien placé. La voix française du pingouin est vraiment cool. N'empêche, heureusement qu'ils regardent pas dans leur rétro. Hein. Sinon, je serais bien baisé. Si je savais, je te le dirais pas. Ok, donc ils sont là. Caché près de la criée, à Drescher. Même chose que tout à l'heure, Dick. Bien reçu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? T'as des recharges? Ouais. Ça va? Ça va. Bon, et toi, Knuckles? T'as entendu? Quoi? J'ai entendu quelque chose. Ouais, ça devait être le vent dans tes oreilles. Va le faire. Hé, hey, du calme, les gars. Alors. Un peu de gel explosif. Tout va bien.
Voilà. Ça s'est bien passé. C'est très bien passé même. Ça parle mal, hein. Les armes à feu, c'est mal. Voilà, ça s'est bien passé. Allez, admets-le, Bruce, tu t'éclates là. Je ne serais content que la petite tenue de. T'as toujours été doué pour casser l'ambiance. De Nightwing de la version Arkham City, je crois. Du coup, il était jouable que dans les modes défi, si je me rappelle bien. Ah oui, quand même. Mégalo un petit peu, hein. Un peu mégalo. Alors ça, de mémoire, c'est une tenue qui est débloquée avec le Warner Bros. Play. Ça, faut se faire un compte sur Warner Bros. Game, un truc comme ça, et on a ça et une autre tenue après quand on va sur le forum. J'imagine que le pingouin est en train de nous maudire en ce moment. C'est possible. Il doit lui rester plus qu'un ou deux dépôts d'armes. Continue de chercher, préviens-moi dès que tu trouves quelque chose. C'est vrai qu'il doit pas être content. Je veux voir la tête qu'il va faire, il fait ça pour rien au monde. Du coup, on se casse, hein. Hop. Tiens, on va en profiter pour faire cette mine, là. Génial. Cible alpha repérée, un prêcheur. Ah oui, il est relou celui-là, je me rappelle. Amuse-toi avec tes amis. Bon sang, le racleur a été touché. Diamondback en ligne.
C'est chaud. La cible a touché un drone. Blindage encore intact. Ouais, je sais. Mais j'aurais pas dû le faire celui-là. Il est trop difficile. Ouais, forcément. Forcément. Il est un peu trop compliqué celui-là. Tu as perdu. Oh, ta gueule. Ça va. Faire autre chose, c'est pas grave. Au moins je l'ai marqué, c'est déjà ça. L'opéra. Bah oui, il est là. Alfred, j'ai trouvé une nouvelle victime. C'est regrettable, Maître Bruce. En effet. Reste à espérer que son corps nous livrera des indices quant à l'identité du tueur. Ah. C'est quoi, une brûlure? Ce type de décoloration des pigments de la peau résulte d'une brûlure chimique. D'accord. Probablement due au contact avec un produit à base de chlore. Une opération à la gorge pour extraire une tumeur a contraint la victime à porter une boîte vocale. Un sixième doigt? La victime souffrait d'une anomalie génétique rare. Une de ses mains comptait un sixième doigt. C'est rigolo. Alfred, le nom de la victime est Allison Weirs. Elle était ingénieure pour Ace Chemicals, ce qui expliquerait en partie ses problèmes de santé. Elle a emménagé dans une maison de retraite à Bloodhaven il y a de cela plusieurs années. Leur terrain se trouve près d'un grand parc. Avez-vous trouvé un lien entre les victimes ? Je ne trouve aucun lien personnel ou professionnel entre les victimes, mais elles ont toutes disparu près de parcs ou de terrains de sport. Essayez de découvrir un lien entre ces lieux. Très bien, monsieur, je regarde cela. Oh, ce serait pas un pompier là-bas ? Avec la Batwing qui fait son scanner depuis tout à l'heure. Voilà, ça c'est fait. Je sais pas, je crois que ça venait de ce côté. Alors il est où le brouilleur? Il est là-bas. On peut aller se le faire. Hein. Ah, il y a des mecs invisibles. T'as rien vu. Je n'existe pas. On va voir si l'orchestre charge thermobarique.
Ah non, pas les thermocharges. Voilà, on prend un peu de hauteur. On peut plus rien faire. Continuez. Il est parti par là. Us. Coup de tête. Oui, oui, j'arrive, c'est bon. Bon sang. Ce que vous venez de faire, j'ai jamais vu ça. Tout va bien, lieutenant. Vous êtes sauf. J'ai essayé, Batman. Je voulais aider. Mais je n'étais pas assez fort. Ce n'est pas votre faute. Ou que les flammes fassent rage, donne-moi la force de sauver une vie. Ce ne sont pas que des mots, c'est une philosophie. Trouvez les autres, s'il vous plaît. Attendez ici, un agent vous conduira en lieu sûr. Très bien. Très très bien. Le pompier Scott, attention. Ça déconne pas. Hein. Trade House. Ok. Tiens, on va aller faire ça. Hop. Ouf. À une main, quoi. Tu travailles pour l'homme mystère. Alors dis-moi tout. C'est tout ce que je sais. Ça suffit. Ouh. J'ai bien kiffé. Batman. J'ai pas peur de Batman. Voilà. Et donc on allait, ouais, au... ici, là. On va s'occuper de ça. Parce que voyez-vous... ça va nous permettre d'avoir plus d'accès. Tout ça, tout ça. Bam. Le commandant n'est pas loin. Je dois le trouver et détruire son poste de contrôle. Ah, il y a encore un machin. Oh, avec les petites griffes sur les doigts. Par contre, j'entends... j'entends un air d'opéra. C'est le chevalier en personne qui nous a choisis. Tâchons de ne pas le décevoir.
plutôt par là. C'est sûr que c'est par là ? Alors déjà on va faire ça. Et oui il est là celui-là. J'ai trouvé une cinquième victime, Alfred. Je le craignais, monsieur. Je commence à faire beaucoup. Alors. La blessure paraît relativement récente, infligée avant le décès de la victime. L'abrasion de l'épiderme confirme qu'un tatouage a été effacé de façon sommaire. Ouais, donc brûlé quoi. Un rein. Ça ? L'emplacement de cette cicatrice indique que la victime a subi une opération pour se faire enlever un rein. Une plaque ? Une plaque de tantale. Elle couvre une fracture crânienne. Celle-ci est probablement due à un accident de boxe. À en juger par les callosités sur ses mains, la victime devait être une combattante professionnelle. Alfred, la victime s'appelait Ella Montgomery. Ah. Il semble qu'elle ait donné ce rein à sa sœur jumelle, malheureusement décédée. Ah. C'est ce qui l'aurait amené à pratiquer la boxe et à subir ce traumatisme crânien. Elle a été portée disparue à Huntsville, en Alabama. Est-ce que les circonstances de la disparition correspondent aux autres ? Absolument, monsieur. Par ailleurs, j'ai recoupé, comme vous l'aviez demandé, les informations des parcs et terrains de sport, et j'ai découvert des contrats de location qui semblent avoir été falsifiés. D'accord. Quelqu'un essaie de couvrir ces traces. Trouvez tout ce que vous pouvez, Alfred. On n'a rien pu faire pour empêcher ces meurtres, mais on peut encore sauver des vies. Très bien. Très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut... T'as vu l'épouvantail de près ? Il paraît qu'il a fait de la chirurgie après avoir été attaqué par une... T'imagines cette tête avant ? Messieurs ? C'est Starry de Batman ! Tu peux rester loyal envers l'homme mystère, ou rester en un seul morceau. Tout ce que tu voudras. Merci. Tu as fait le bon choix. Plus, qu'est-ce qu'il y a ? Alors. Quelqu'un a tué, mutilé et exposé une victime sur nous. On va faire celle-là aussi, et puis on s'arrêtera là, je pense. Je dois analyser la scène de crime et trouver des indices. On verra comment ça se passe. Alors quoi ? On écoute l'épouvantail nous passiner toute la nuit ? Ah, le petit freeze et le petit chargement. C'est goûtu. Ah, c'est celui-là ? Non. C'est le premier en fait. C'est celui-là qu'on nous met dès le début, quand on va au GCPD en fait. Alfred, j'ai découvert un autre corps. Six victimes, Maître Bruce. Quand ce cauchemar va-t-il cesser ? Ah, une oreille. Est-ce que c'est Cassios ? Difformité à l'oreille gauche qui semble être le résultat d'une légère agénésie de l'oreille, une anomalie congénitale. Une alliance dans le gros intestin. Elle porte l'inscription Ophélia. Ok.
C'est un prénom un peu particulier. Enfin bon, on va pas juger. La victime a récemment subi. Ah, c'est Squalichon. Les tissus ne sont pas complètement cicatrisés. C'est complètement Squalichon. Alfred, la victime s'appelait Anthony Lund. Son dossier médical indique qu'il souffrait d'alcoolisme, certainement suite à l'échec de son mariage. Ça joue. Le nom sur l'alliance, Ophelia, est celui de son ex-femme. Il a été vu pour la dernière fois à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Comparez ce parc avec les autres. Voyez si ça coïncide. En effet, monsieur, je vous envoie immédiatement l'information. Le cirque de l'étrange. Sa tournée l'a récemment emmené à travers tous les lieux où les victimes ont disparu. Ah ah ! Donnez-moi la liste des noms des associés. Le cirque est dirigé par un individu plutôt louche du nom de Laszlo Valentine. Cherchez tous les biens loués ou possédés par le suspect. Selon les registres, Monsieur Valentin tenait un institut de beauté à Gotham, mais le bail a expiré peu avant le début de la construction du Wayne International Plaza. Donnez-moi sa position. Il est temps d'en finir. Ah, chier! À moi la Batmobile! Ouf! Tout va bien! Tout va bien! Y'a pas de blessés, je crois. Pardon. C'est moi. Ouais, moi aussi. Pardon. C'est bon, on est bien garé. Voilà, le même air d'opéra. Comme ça, ça sera fait. Des poupées, c'est toujours un peu glauque les mannequins comme ça. Non, arrête de chanter. Tellement un perso de BioShock. Tout le monde. C'est terminé. Big peut te réparer aussi. Tendre comme les autres. T'es cinglé. Et toi, t'es quoi ? Touché. Je suis venu pour t'arrêter. Méchant, méchant. Big est comme Dieu. Big est comme Dieu. Oh. Comme tu es parfait. Pic. Chute. Lève
il ne peut rien faire. On dirait qu'ils ne sentent pas la douleur. Oh. Je dois faire en sorte qu'ils restent à terre. Comme ça. En avant, mes chéris ! Vous n'avez absolument rien à craindre ! Ah oui, il y a du monde, en fait. Suffit. Qui doit s'occuper de toi, Batman? Il va te rendre parfait. Belle organe. Non. Oui, oui. Faites-lui mal, encore plus mal. Oui. Oui. Répare-le, ma chérie. Oui. Rends-le parfait. Suffit. Suffit, hein. J'ai cassé son masque. On va s'occuper de lui. Direction le GCPD. Elle rend Big malade.
Ces choses que tu n'as pas pu changer m'ont permis d'identifier les corps. Elles m'ont permis de te trouver. Elles ont causé ta perte. Non ! Pas la perte ! Ah non ! Pig a été malade. Non, on veut pas voir, non. Il a vomi dans la Batmobile, quoi, putain. Salaud. C'est là que tu descends, Valentin. Non, 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 n'enfermez pas Pig. Mère ne va pas être contente. Pig n'est pas assez bien. Il n'est jamais assez bien. J'étais si près. Quand il m'a arrêté, je peux faire beaucoup mieux. Je peux faire beaucoup mieux. Tout aurait pu être parfait. Cette bonne vieille tête de cochon, c'est un grand malade. Trop bien pour être enfermé. Ne t'en fais pas, je te ferai sortir d'ici. Et qu'est-ce qu'il a à dire, Harvey ? Tu n'aurais pas dû sortir ce soir, Dent. Combien de fois on a vécu ça, Batman ? Tu nous mets derrière les barreaux, et nous, on prend la clé des champs. Ta vie est une mascarade. Une grande farce ! Au contraire, cette vie me satisfait. La satisfaction ne dure qu'un temps. Profites-en tant que tu peux, parce que la prochaine fois qu'on se verra... Tu mourras. Il a toujours les marques de griffes de Catwoman. Hein. Oh, Batou, tu fais ressortir le bon côté de tous. Hein, celui de tes ennemis, de tes amis, et même de tes meilleurs ennemis, comme Harvey, ici présent. Il est à moitié intéressant ce jour-ci. Tout ça grâce à toi. Ce gros connard, quoi. Ok, bah écoutez, les gens, on va se quitter là, parce que ça fait déjà un épisode qui est assez long. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres aventures. D'ici là, je vous fais des bisous. Un débat, bisous.